C'était bien sur France 5, il y a quelques jours, le 25 juin, dans l'émission C'est politique, vous avez pu entendre ceci. Dans ce cadre-là, je vais le défendre. Autre reproche, la collaboration de Djordje Kuzmanovic à ce site belge controversé. Investig Action a été fondée par Michel Collomb, un militant de la gauche radicale, ouvertement pro-Bachar el-Assad, et qui a défendu Dieudonné, avec qui il pose ici aux côtés de Thierry Messon. Je pense qu'on devrait montrer ce passage dans toutes les écoles de journalisme et dans toutes les écoles tout court, les cours d'éducation des jeunes aux médias, pour montrer ce qu'il ne faut pas faire en matière de diabolisation, étiquetage, amalgame, censure des textes. D'abord, site controversé, ça veut dire quoi? Ça veut dire un site que vous n'aimez pas, qui a des opinions différentes des vôtres. Parce que vous aussi, vous êtes controversé, c'est politique. Vous êtes produit et financé, si je ne me trompe, par le groupe Lagardère, qui a fait sa fortune dans les médias, dans les guerres, qui est un proche d'Israël, qui est un grand milliardaire qui soutient la politique officielle française. Pour beaucoup de gens, ça c'est très controversé, donc dépassons les étiquettes. Vous dites un site ouvertement pro-Bachar, mais vous ne citez aucun texte. Vous cachez soigneusement les véritables positions, parce que j'ai expliqué sur le site, dans le texte « L'ami des dictateurs », quand Investig Action s'oppose aux guerres, ce n'est pas pour défendre les gouvernements en place, mais pour éviter que les pays visés soient pillés par l'Occident. Ce n'est pas la même chose. Il faut distinguer être pro-Bachar ou être anti-guerre. Dans le livre « Syriana » de Bahar Kimyangur que j'ai édité et préfacé, il était dit clairement, je cite, « Tout en critiquant durement le système syrien, le livre éclaire tout ce que les États-Unis ont fait et le financement du terrorisme par l'Occident. » Comme ça n'est pas la première ni la dernière fois que je me fais diaboliser et que je suis loin d'être le seul, j'ai rédigé un petit texte qui se trouve sur le site Investig Action, « Les 10 commandements du parfait diaboliseur » pour vous aider à repérer quand vous avez un doute sur la fiabilité des accusations qui sont portées. Et dans les 10 commandements du parfait diaboliseur, on trouve toute une série de choses qui ont été pratiquées par ces politiques. Ne donne pas la parole à l'accusé, ne vérifie pas, cache les textes qui te contredisent. Il y a aussi « fait semblant de ne pas comprendre », je vais y revenir. Il y a « empêche le débat sur tes propres opinions », le journaliste prend bien soin de cacher pourquoi lui s'engage. « Colle des étiquettes », on en a des exemples. « Pratique l'amalgame pour noircir », »,« frappe et fout le camp ». Parce qu'au fond, ce que moi je dis sur la Syrie depuis 2011 et Investig Action, est-ce que ce n'est pas ce que votre président, tout nouveau, est en train de dire lui aussi, puisque dans une interview au Figaro et à d'autres journaux, il a déclaré il y a quelques jours, on ne réglera pas la question avec un dispositif militaire, c'est l'erreur que nous avons collectivement commise, et il dit, pour moi, la destitution de Bachar n'est pas un préalable à tout. Et il propose, il dit, j'ai discuté avec Poutine, la Russie est elle-même, je cite, victime du terrorisme, il faut chercher ensemble une solution sur la Syrie pour lutter contre le terrorisme. Et c'est exactement ce que nous disons depuis 2011 et raison pour laquelle nous sommes diabolisés. Alors, l'autre accusation, c'est que cette fameuse photo qui me montre avec Dieudonné et Messon, sans dire que la photo a été prise en 2005, donc bien avant que Dieudonné flirte avec Le Pen et différentes choses de ce genre, et sans dire que récemment, accusé par des codex Le Monde d'être un complice de Messon, j'ai dit que je ne partageais absolument pas les thèses sur le 11 septembre, qu'on n'avait pas travaillé là-dessus, et que donc l'accusation de conspirationnisme ne tenait pas debout, mais vous utilisez vraiment tous les fonds de poubelle qui permettent de diaboliser quelqu'un, et dans votre émission, vous montrez de manière floutée quelqu'un qui accuse tous les gens qui sont contre la guerre, contre ce que l'OTAN fait en Ukraine, en Syrie et partout ailleurs. C'est quelqu'un, je pense que c'est Ornella Guyet, et c'est quelqu'un qui, avec Caroline Fourestre, Reichstadt et des gens comme ça, sont financés, y compris par des think tanks et des organisations des États-Unis, pour cracher sur tous les gens de gauche qui défendent des positions qui les dérangent.
Ornella Guyer a attaqué Ruffin, Pierre Karl, Lordon, Alain Grech, Noam Chomsky, Le Grand Soir, toute une série d'autres. Le Grand Soir l'a d'ailleurs tout à fait démasqué dans ses méthodes, a posé toute une série de questions auxquelles il a toujours refusé de débattre. Donc voilà, le procès de diabolisation qui est fait par ces politiques ne tient pas debout. Et comme ça ne va pas se terminer, comme ça nous fait du tort, parce que ça empêche toute une série de gens qui hésitent, qui se disent « il n'y a pas de fumée sans feu », bien si, ça les empêche de venir lire et écouter ce que nous faisons et de nous soutenir, parce qu'on fait un travail d'information indépendant et donc on est très pauvre. J'appelle les gens à ne pas se laisser faire. L'information, c'est trop important, et à nous soutenir sur ce plan-là. On vient d'intenter un procès contre le monde pour ces calomnies. J'ai intenté il y a quelque temps un autre procès en Suisse que nous venons de gagner pour quelqu'un qui m'avait accusé d'antisémitisme. Les calomnies, ça n'arrête pas, ça nous fait du tort. Donc j'appelle tous ceux qui attachent du prix à une information vraiment indépendante, honnête et permettant le débat, à nous soutenir financièrement si c'est possible, mais aussi à intervenir sur les réseaux sociaux, à intervenir auprès des journalistes en disant « mais quand est-ce que vous allez organiser de vrais débats et pas un ramassis de calomnies ?»